Bien, bonjour les amis, vous allez bien? Moi, nickel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on joue à Luigi Mansion 2 hein, sur Nintendo Switch de nouveau. Alors, aujourd'hui, les amis, nous sommes arrêtés à Mission 3. Hein. Dans le 2, on avait trouvé le. On n'avait pas pris, mais on avait trouvé le aiguille qu'il faut devrait réparer. Hein. Mais le problème, c'est que le fantôme bleu, il avait pris et il s'est enfui. Et la but, c'est de l'attraper et de prendre l'aiguille. Donc, on y va pour le mission 3. Hein. Et à présent, on doit savoir où il est. Et dans le DS, il pourra nous indiquer où il est. Ouais. Retombe. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de rire, professeur? Ok, je veux pas savoir. Ouais, on va faire de temps en mieux, professeur. Ne vous inquiétez pas, on va tout s'arranger. Ok, nous y sommes. Il n'y a personne, Luigi, tout va bien. En attendant, tu es tranquille. Ok, les amis. La but, c'est de monter en étage. En niveau, on va les dire. Mais il y a ça qui gêne, en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que la bombe, il est apparu. Et d'ailleurs, la boîte, elle est vivante. Il faut la rattraper. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Un fantôme! Il va pas s'enfuir. Encore un petit peu. Ok, c'est bon. Comme ça, on va devenir riche. Attends, d'où il y avait une araignée? Ah oui, c'est caché dans le fantôme nord, c'est ça? Bizarre. Ok. Bon. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas encore arrivé. Alors, les amis, vous voyez le rubis, ce que le fantôme il a dans sa main. Je peux pas le prendre, évidemment, parce qu'il dort, en fait. Et comment faire pour en avoir? Eh bien, il faut le faire réveiller, en fait. Comment? Avec un alarme, en fait. Et comme vous voyez, cette alarme, il montre qu'il est 9h. Et ici, il se trompe le numéro, enfin, le heure. Donc, on va modifier. Comment? En le faisant tourner, exactement, comme ça. Et c'est à quelle heure qu'il faut atteindre? 9h, simplement. Non, pas 9h15. Non, mais t'es débile, j'ai dit pas 9h15. 9h pile, voilà. Il t'a réveillé. T'es à l'école aujourd'hui. C'est la rentrée. Bah toi, tu nous rends le rubis, s'il te plaît. Ouais. Ok, nous avons le premier rubis. En tout, il y en a 3 maximum, en fait, dans cette mission, les amis. Ok, ce qu'on veut savoir, il est où le fantôme? Vous savez où il est? Vous savez où il est, le fantôme? Oui, il est juste à côté. D'accord. Merci beaucoup, Garfield. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, professeur? Vous voulez nous téléphoner de 50 fois, en fait? Oui, Toro? Ok. Ici, il faut éviter de tomber, en fait, les amis. Ça, c'est dangereux, exactement. Mais parfois, les amis, vous savez, Luigi, il se déplace tout seul, en fait. Hein. Nous, on doit essayer de... Non, on doit essayer de le faire déplacer pour qu'il doit éviter de tomber, en fait. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a de pire, en fait? Il y a le vent, en fait. Et à cause du vent, il pourra déplacer facilement, en fait. Ça. Bon, silence. On ne peut entendre ta voix, s'il te plaît. Après, si tu fais ça, c'est bonne idée, mais le problème, c'est que Luigi, il peut déplacer facilement. Hein. Ce sera un petit peu compliqué. Donc, si tu vas lentement, il n'y a aucun souci, mais après, ça va, je suis tranquille quand je suis allé plus vite. Hein. On a vu Boo. Il est juste là. Ah.
Ok les amis, on va juste prendre l'argent, on va dire. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a le tapis roulant en fait qui nous empêche. Hein. Je crois qu'on t'a pas vu, toi. Ah ok, je suis arrivé en retard. Hein. Mais d'où? Comment ça, ça a lâché tout seul? Je comprends pas. J'attrape le fantôme tranquillement et lui, il s'est barré correctement. Ah zut, bah, j'étais coincé entre la table en fait. Hein. Ah vas-y, on va chanter. Je serais comme les autres ou quoi? De perdre tous les vies pour perdre ou quoi? Est-ce qu'on peut fouiller quelque chose? Non. Attendez les amis, vous savez, il y a un passage secret en fait. Il y a quoi exactement? Il y a un porte bonus en fait. Il est juste là. Oh! Nous y sommes. Et est-ce que vous croyez qu'il y aura le rubis? Vrai ou faux? Vous allez deviner quand on va réussir. Et j'adore cette musique. C'est faux! C'est de l'argent à la place. Et j'ai chaud! C'est un truc de dingue! Ok, la deuxième porte où on va y aller, il y a des araignées, hein, mais vous n'aurez pas pu me toucher. Il y a le boîte qui vient de se déplacer en fait. Hé, je m'en vais. Eh ben non, c'est trop tard, il m'a juste fait peur et il veut me faire une surprise. Bah, trop tard, je l'ai attrapé, hein. Tu veux faire une surprise, c'est ça? Ok, les amis. On a attrapé les fantômes. Et d'ailleurs, il y a les bombes qui peuvent nous aider à traverser, hein, tranquillement. Et de l'argent, ça nous sert à un truc. De devenir riche. Attention, les oreilles! Oh là là! Pam 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 pam. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici? On voit rien du tout. Non, je déconne. Moi, je vois bien. Ah ben non, je vois rien du tout. Voilà. Non, je plaisante, je vois bien. En fait, non, les deux. Je vois bien et je vois rien. On va l'éteindre, hein. Lui fermer, pardon, hein, en temps pour moi. Et après, on va inspirer comme c'était les poussières. Voilà. Ok. Ok, j'ai utilisé la lampe pour rien. Ok, j'ai raté le coup. Mais d'où ils résistent les flashs? C'est un truc de dingue. Comment ils peuvent résister? Ah, mais d'ailleurs, je vous ai pas dit, les amis, il y a le bout qui est apparu tout seul. Ah sinon je pensais qu'il va brûler la lampe. Mais non, j'ai assez beaucoup d'énergie pour lui utiliser. Oh, beaucoup de pièces. On a beaucoup de la chance aujourd'hui. Raté le coup. Il reste 8 énergies pour lui. Bah c'est bon, on l'a fini. Bah c'est bon, on l'a tué. Viens par ici, toi. Oh yeah. Oh yeah. Ok, les amis, nous avons 2 rubis et le boom, mais il manque encore une rubis.
Ok, nous sommes riches. Merci beaucoup pour l'argent. Ok, nous y sommes pour avoir la clé. Parce que la porte, il est fermé, donc on a besoin de la clé. Il est juste là. Du gâteau. Ok, maintenant on doit aller tranquillement. Sauf que je dois faire attention parce qu'il y a une araignée, ou des araignées, pardon. Et je les ai esquivés tranquillos. Ouais. On va passer. Hein. On sait que Luigi va ouvrir la porte. Hein. Ok, nous y sommes. Le troisième rubis, où est-ce qu'il peut bien être? Ici? Bien sûr que non. C'est juste qu'il y a des pièces. Hein. Il est là. Simplement. Voilà le troisième rubis. Maintenant, on peut aller tranquillos. Hein. Et d'attraper le photon qui l'a piqué... une aiguille. Il trouve qu'il est super intelligent en fait. Pardon. En fait les amis, j'ai chaud en fait. On dirait, je comprends pas. On dirait de faire la chaîne YouTube, c'est du sport ou quoi? Parce que j'ai ultra chaud en fait. Oh non, pas ces photos. Maintenant j'ai l'horreur de ces photos. Mais pourquoi ils sont là? Mais c'est pas vrai. Comment c'est possible? D'ailleurs, ce photon, il va nous envoyer beaucoup de bombes. Et nous, on doit essayer de l'esquiver. Moi, c'est rigolo, hein. Encore lui! Attends, est-ce qu'on peut attraper les deux? Où est-ce qu'il est le... Il est où le gros... chauve? Bon, je n'ai pas le choix, je vais l'attraper au cas où. Hein. Parce que je le déteste, je vous dis tout de suite. Ah, laissez-moi tranquille! Les bombes, ça me fait peur. Non, je plaisante. C'est Luigi qui a peur des bombes. Hein. Moi, non. Oh, j'ai failli me faire toucher. Mais non, tout va bien. Oh non, c'est pas vrai. Oh, les deux en d'un coup, ça va. Quoi, le dernier, je l'ai pas attrapé. Raté. C'est fini pour toi. Et voilà. Du gâteau, c'est bon, on l'a attrapé. Maintenant, on va tirer ce corde pour nous laisser passer. Hein. Et voilà. On a trouvé le premier aiguille, les amis. Sauf que vous savez qu'est-ce qui est pas génial? On n'a pas trouvé le l'os d'or. Hein. Désolé. Je pleure. Non, je pleure. Et je transpire en fait. Ça me fait chatouiller mon nez parce que le goutte d'eau il vient de descendre à mon visage en fait. Parce que j'ai tellement chaud. C'est un truc de dingue. Ah bah ok. Pas besoin de l'os d'or pour avoir 3 étoiles. C'est génial. Rebonjour Luigi, ça va? Je voulais... Désolé les amis, en fait le problème c'est que j'ai envie de rôter. C'est pour ça pourquoi je parle pas depuis 2 minutes. Désolé. Bah j'ai pris le dîner en fait, simplement. Ah oui, il reste beaucoup pour atteindre 20 000. Vas-y. Ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, j'ai fini de parler. C'est aiguille, bien sûr, il est juste là. Nous avons le premier, mais il manque encore le deuxième, en fait, hein, le aiguille. En fait, je pense que je me confonds, en fait. C'est une aiguille, je crois. Ou le aiguille, hein. Je me trompe, hein, je sais pas. Hein. Au cas où vous m'envoyez sur le commentaire, des amis, hein. Parce que je confonds à chaque fois entre masculin et féminin. Bon, ok les amis.
Nous sommes dans le 4e mission. Allez, c'est parti. Oui. Oui. Le 4e, c'est de trouver le dernier aiguille. Pourquoi Luigi sourit en même temps Ça le plaît ou quoi? De le faire peur ou quoi? C'est pas normal ça. Ok. Y'a personne, Luigi. Peut-être je me trompe. Eh bah oui, je me trompe. Y'a quelqu'un. Et y'a Octochien aussi. Maudit le chien. Tu t'enfuiras pas comme ça, reviens. Ah, et vous aussi, vous voulez essayer de l'attraper? Pas question, c'est moi qui va la rattraper. Cet octochien, il va payer très cher ce qu'il a fait. Ok. Alors les amis, tout ce que le fantôme il a, en fait, c'est un bouclier qu'il a, en fait. Et comment faire pour le attraper en fait? Le bouclier a des couleurs différentes en fait. Quand on l'attrape et quand il y a des barres avec, il montre des couleurs lesquelles on peut l'éliminer. Par exemple, s'il atteint le rouge, il faut qu'on atteigne sur le rouge pour l'attraper. Parce que si on fait soit le bleu, soit le vert, ça va pas marcher en fait. Donc on doit essayer de les faire ça pour les attraper. J'ai trouvé le octochien, mais ils sont partis en haut. C'est un truc de dingue. Maintenant, on doit faire le tour complet pour les attraper. Et bah, je suis comme lui qui sourit jamais. Parce que je suis très en colère. Ok, le bout, je sais où il pourrait être. Il est dans cet endroit. Et le... Voilà, c'est la lampe qui manque, en fait. Et on l'a trouvé. Il est juste là. Jambolaya. Ok, ton prénom il est totalement difficile. Hein. On préfère te appeler Beau parce que c'est plus court. Hein. Ah, s'il fait ça, il va perdre tout de suite en fait. Hein. C'est ce qu'il faut faire en plus. Voilà, comme ça. C'est bien ce qu'il a fait, comme ça on va gagner en une seconde. I do it. I'm good. Ok, on l'a fait. On a attrapé le bout. Maintenant, il ne reste plus qu'aller trouver Octochien parce que il nous saoule. Hello? Y a quelqu'un par ici? Ah voilà, le trace se cache ici. Ah, tu trouves ça drôle, toi? Tu trouves ça drôle, toi? Bah, je vais t'attraper et ce sera drôle. Même plus que ce sera drôle. Bon, je suis en train de fouiller ici pour rien, en fait. Ok, je suis en train de fouiller ici pour rien. On doit juste aller là-bas. Ah, mais il se cache ici! Oh, pas mal, toi. Ah tiens, voilà, il est en couleur bleue. Hein. Voilà, on doit atteindre jusque le couleur bleue. Et après ça, on a réussi à l'attraper. Mais la suite, je pense qu'il va être le couleur rouge maintenant. Bah alors, pourquoi il y a tous les feuilles qui sont en train de s'envoler? Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Voyons voir si on peut t'attraper, Octochien. On va passer. Maudit le fantôme, qu'est-ce que t'as fait? Hé, toi, reviens ici. T'as aucune chance de partir. On va essayer d'attraper. Oh là là, quelle figure spécialité. Ah bah ok.
D'accord, j'ai compris. Bah pourquoi tu fais ça pour rien, le fantôme rouge, je suis très loin. Tu pourras faire ça tant que tu seras très proche. Attends juste une seconde, je vais prendre de l'argent et après on pourra t'attraper. Ok. Nous avons tous les fantômes qui ont l'infinitif de énergie maintenant, les amis. Maintenant, il ne reste plus qu'à attraper Octochien. Mais en fait, il arrête pas de se déplacer de toutes les sens, en fait. Hein. Ça, c'est dur. Mais après, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire quand on va passer ici. Donc, vous allez... Vous allez exploser tout de suite parce qu'on n'a pas envie de patienter. Hein. On doit l'attraper vite en fait. Ah voilà, c'est bon, on l'a attrapé. En fait, quand on est derrière lui, il faut attraper vite parce que sinon il va comprendre qu'on va l'attraper en fait. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a attrapé. Tant mieux. Et voilà le deuxième aigu maintenant. Ok. Ça veut dire que le quatrième mission, on l'a fini, les amis. Maintenant, on va passer le cinquième. Et j'espère qu'il va pas s'enfuir, le Octochien, parce que la dernière fois que vous l'avez attrapé, il s'est enfui. Vous allez voir au cas où. Encore 3 étoiles. Thank you so much. Bienvenue parmi nous, Luigi. Ok. Oui, content de te revoir, Luigi. Nous avons un deuxième aiguille. Oui. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de baveux contre le Octochien parce qu'il a avalé, en fait. Ok. Voyons voir, on a qui. Nouveau bout, ok. C'est pas assez... 15 000, ça va pas du tout. Oh mince. Il s'est enfui. Il s'est enfui encore une fois, c'est pas vrai. Comment c'est possible qu'il peut s'enfuir? Je comprends rien du tout, cette magique. Ok. Ok, les amis. Nous avons fini le quatrième mission. Maintenant, on passe à cinquième. Et derrière le cinquième, ce sera notre monde de cette manoir. Et en plus, il y aura, à la place des aiguilles, il y aura un autre qu'il faut aller chercher, en fait. Hein. Et je sais pas comment on l'appelle. Hein. Il va nous montrer, hein, voilà. Voilà, c'est ça. Le rotor. Le roto. Ça permet de déplacer les aiguilles, en fait, au cas que tu veux changer d'heure. Hein. Donc, on va le chercher. Et après, je pense qu'on va finir le boss. Hein. Je pense, hein, on va voir. Mais non, c'est pas vrai. Ah, tu veux t'enfuir, c'est ça? Ou tu veux le faire cacher, en fait? Tu t'enfuiras pas comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je comprends rien. Ok. Il y en a 3 rubis en tout pour les ramasser. Alors, on voit le dernier qui est derrière nous. Hein. Mais on pourra pas le chercher exactement. Donc, on va aller là-bas, d'abord. Hein. Pour voir s'il y a quelqu'un. Ok. Ah bah tiens, il faut essayer de la cacher ici, mais il peut pas. Attends, je vais fouiller à cet endroit. Non, il n'y a rien du tout. Ok les amis, on doit regarder où il se cache exactement. Hein. On va le cacher. Ah, ici, vous allez cacher?
Oh zut, il nous a vus. Et il sait que c'est un secret en fait. Donc il a caché. Enfin, il a... Il a... Ok, je sais pas quoi dire. Le rotor, il... c'est le rose dégueulasse qu'il a caché exactement. Espèce de sale petit. On va le tuer parce que je le déteste ce fantôme. Non, je vous dis tout de suite. Hein. Bon, ok. On doit essayer de trouver une solution, comment faire pour le attraper. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de pièces hein, et je suis riche. Hein. Alors, le premier rubis, je trouve qu'il sera à cet endroit. Hein. Parce que cet endroit, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il sera ici. Hein. Le premier rubis. Le passage secret bonus. Ouais, je pense que oui, c'est cet endroit qu'il y a le premier rubis. Donc, allez, c'est parti. Bah, je trouve que cet endroit, il est pas si dur. Hein. Bah non, il est pas dur. Ok. Et oui, je trouve que oui, c'est le premier rubis. Ouais, c'est ça. Ok, nous avons le premier rubis. En tout, il y en a trois, en fait. Mais pourquoi je dis trois? Parce que... non, c'est pas ça que je voulais dire. Pourquoi il y en a trois? C'est dans cette mission qu'il y en a. Dans le dernier rubis, ça se passe dans le boss. Après, je pourrais vous montrer. Peut-être, on va voir. Attends, il y a des pièces. Hein. Voilà. Ah, on a eu peur! Ah, mais sinon, il y a de l'argent! Oui, de l'argent! Oui, c'est nos trucs! Bah, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent. On pourra acheter quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut acheter. Ok. Donc, on a besoin de la clé, en fait. Parce que la porte est débrouillée. Hein. Donc, comment on peut faire pour aller la chercher? Il faut... On a besoin de la clé. Et on, ce qu'on peut trouver, c'est cette, la porte, en fait, les amis. What? Ah, il y avait un bug. Sinon, on a pensé que Luigi va tomber, mais non. Enfin, il pouvait, mais c'est grâce au bug qu'il a fait comme ça pour ne pas tomber. Alors, le rubis, je trouve qu'il est dedans. Hein. Le dernier, ok. Ouais, il est, c'est celui-là. Ok, nous avons le deuxième. Le dernier, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Il est là-bas. Mais malheureusement, on peut pas le chercher parce que il est très loin et donc on peut pas sauter. Mais normalement, Luigi, il peut sauter parce que il pourrait bien sauter de bien haut. Où je trouve que c'est l'aspirateur qui le gêne en fait. Hein. Parce qu'il est très lourd et en plus, il peut casser n'importe quel moment. Allez, fichez-moi la paix, les bombes! Ok, c'est bon. Ok, les amis, pour continuer l'endroit, en fait, le problème, c'est que le... Vous savez, le truc qui tourne, en fait, comme celui-là, il manque encore une, parce qu'il y en a une qui est là, qui ne qui se déplace plus. Et le problème, il est bloqué. Donc après ça, il faut le faire apparaître pour qu'il tourne, en fait. Et continuer à tourner. Voilà pour monter à cette chose. Et après c'est bon. Maintenant on peut y aller tranquillos. Hein, sans faire des dégâts. Encore une fois. Parce qu'il y a toujours des dégâts dans ce jeu. Oh c'est dangereux. Ça casse pas trop les oreilles Parce qu'il fait maximum de bruit, je pense. Hein. Alors ici, je pense qu'il y a le bout. Parce que je vois les flèches blanches. Hein. Donc je pense que c'est le bout. Oui, c'est le bout. Bourik. Bourik, il est moche ton prénom. J'avais pas pensé que les bouts, ils ont des noms en fait.
Mais ils sont tellement moches. Je vous dis tout de suite, ils sont moches. Ah bah ok, je l'ai trouvé en une seconde. Il est où? Il est où? Ah ok, il est là. J'ai pas le temps de faire un câlin, voyons. Ok les amis, nous avons attrapé le bout. Maintenant il ne reste plus que trouver le de prendre le dernier rubis hein, et de finir cette mission. Après on va voir si on peut faire le boss. Parce que ça m'intéresse de continuer de jouer à ce jeu. Alors les amis, le fantôme en or, il vient de se cacher ici parce qu'on l'avait vu, il était en haut à un moment qu'on a attrapé les fantômes rouges en fait. Voilà, on l'a attrapé. Attends, on va fouiller parce qu'on a besoin de l'os d'or. Évidemment, il se cache ici. Comme n'importe quel objet pour fouiller, il va apparaître invisiblement. Je vais prendre de l'argent. Comme ça, nous serons devenus riches. Ok, les amis, nous avons la clé et on peut aller ouvrir la porte. Hein, et de savoir il y a quoi. Il est aussi, il tourne en fait. Ouais. Ok. Maintenant, voyons voir il y a quoi. Alors, on va prendre l'argent, comme d'hab, hein, qui sont juste là, même. Tu pourras pas prendre avec les mains, Luigi. Luigi, les l'argent, ils vont pas te faire mal. Hein. Je te dis tout de suite. Hein. Oh, horloge. Oh. Oh là là. Bah, dis donc. Cet oiseau de horloge, il est pas très sympa. Oh tiens, il y a Toad. J'avais probablement oublié que dans cet endroit, il y a Toad aussi. En fait, dans tous les manoirs, il y a Toad, en fait. Hein. Donc on doit les sauver. Pas que Mario, mais Toad aussi. Hein. Mais viens! Ok, c'est bon. On doit faire tourner pour essayer de passer, hein. Et voilà, maintenant on peut aller sauver Toad. Et d'ailleurs Toad il est jaune, hein. Je connais cette Toad. Hein. Comment il peut s'envoler à un moment qu'on va la libérer? Oh mais c'est Luigi, c'est bien vous. Ah, pardon, c'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Vous êtes moi idole. Comment? Le professeur vous a envoyé ici pour me sauver, moi qui croyais qu'il m'avait oublié. Oh, vous cherchez à céder la remise? Eh bien oui, je peux peut-être vous aider. Mais avant, il faut que je vous avoue quelque chose. Et j'ai pas envie de lire. Peut-être vous, ça vous intéresse de lire, mais pas moi. Je m'ennuie. Allez! Oh, c'est pas vrai, des fantômes. Ah oui, vous trouvez ça rigolo? Vous trouvez ça rigolo? Toad, c'est bon, calme-toi, c'est bon. Toad, calme-toi, c'est bon, je les ai attrapés, détends-toi. Viens, viens. On s'en va. Alors, Toad ne peut pas aller avec moi à cette horloge, les amis. Donc, on va le jeter ici, exactement. Hop, voilà. Et on pourra l'attraper. Waouh, waouh. Oh, Toad est en danger. Oh, bah dis donc. À moins qu'on va le laisser, hein. Comme ça, il va maigrir quand il va courir comme un tapis roulant, hein. La même chose comme au tapis roulant, l'obésité, ils proposent de maigrir, mais ils n'arrivent pas. Donc si au tapis roulant, on va les mettre
à manger devant et qui voient qu'ils ont envie de manger, là, ça a envie de les attraper pour aller manger. Donc, c'est les mêmes choses, sauf qu'avec les fantômes de Toad. Hein. Donc, il pourra migrer un petit peu quand même. Hein. Ok. Oh, vas-y. Ça m'énerve quand il y a des fantômes qui empêchent de tout. Ça, c'est rigolo quand il fait comme ça. Tain. On dirait qu'il a toqué la tête. Il a toqué la tête. Tain. Ok, c'est bon, Toad. Ne crie pas. J'arrive tout de suite. Je suis là. Come on. Allez. Allez, on s'en va. Ok. Attends, il y a une araignée, hein, comme d'hab. Hein. Mais il y a partout, en fait. C'est un truc de dingue. Vous êtes pas en train de rejoindre votre mère? Oh, c'est pas vrai. Oh, en plus, Toad, il est resté bloqué. Mais il sera en sécurité, hein. Il sera en sécurité s'il va rester ici. Ok. Oh, vas-y. Attends. Voilà. 3 fantômes, c'est ça du gâteau. Pour les attraper. Mais non, on n'a pas besoin de ça. Ah, à l'aide. Il y a milliers de fantômes qui veulent me faire n'importe quoi. Alors que j'ai rien fait. Non, Toad, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais rester ici, tu seras en sécurité. Ah, lui, il est pas tombé par terre, lui. Il devrait tomber. En plus, il y a des moustiques avec. Ah, vas-y, ça m'énerve. Raté. Pas bien placé pour jouer. Il nous a touché. Comment c'est possible? Hé, hey, toi, tu touches pas au Toad. Tu touches pas au Toad, toi. Ouais, on l'a eu. Mais professeur, laissez-nous tranquille. On a attrapé le fantôme. Super, maintenant tu devrais nous laisser tranquille. Ok, c'est bon, je suis là, Toad. T'es content? Moi, pas du tout. Je suis pas content parce que ce fantôme, il peut apparaître plusieurs fois. Je veux carrément qu'il n'existe plus, en fait. Ok, nous avons Toad, les amis, de chercher le roto. Hein. Il a caché ici le fantôme. Ouais, check. Check, Toad. On a réussi. C'est faux, c'est pas encore fini. Ok, le roto, où est-ce qu'il peut bien être? Ici, bien évidemment. La dernière fois qu'on avait vu, en fait, c'était pas dans les boîtes où il avait caché, en fait. Attends, j'ai raté le coup. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Merci, Toad. Ok, nous avons le roto. Ouais, t'es content? Alors, le fantôme où il voulait essayer de cacher, en fait, on va le fouiller et c'est bon, on a fouillé. Maintenant, Toad, on va te amener à la maison. On va te amener l'endroit où tu vas être tranquille. Hein. Allez, on s'en va. Bah alors Yoshi, pourquoi je dis Yoshi, Toad, t'es bloqué ou quoi? Ok.
Alors les amis, avant de finir, il y a le dernier rubis qu'on doit aller le chercher. Et évidemment, c'est d'autres qui pourra aller en chercher. Voilà. Et en même temps, il nous donne de l'argent aussi. C'est bien ça. Bravo, tu viens de l'assurer. Ok, nous avons le dernier rubis. Hein. Et maintenant, on peut le amener chez lui. A tout à l'heure, j'en ai marre d'appeler Yoshi. A tout à l'heure, Toad, voilà, c'est beaucoup plus mieux. Ok, qu'est-ce qu'il y a, professeur? Oui, le retour, on l'a trouvé, t'es content? Bah, je suis content qu'on a tout fini. Non, pas du tout, c'est pas fini. Ok, les amis, je trouve que on va... pas s'arrêter, on va continuer encore et là cette fois on va attraper le boss, enfin on va finir le boss pour finir cette vidéo. Ok, alors professeur, vous avez croisé Toad? On avait sauvé le deuxième Toad en fait dans cette manoir. En fait non, on a juste trouvé Toad, hein, le deuxième Toad. Ok, ça suffira pas. Il manque encore de l'argent pour ça. Hein. Ok les amis. On va passer dans le dernier mission, c'est de finir le boss. Et je trouve qu'il sera plus difficile. Olima. Hey, oui. Oui, il est là. Ah, il faut le garder. Ok, d'accord. Ok, on l'a gardé. C'est pour le mission en fait, le numéro 5, au cas qu'on va attraper le boss en fait. Ok. Ok les amis. Maintenant, on va passer le boss dans ce jeu. Confrontation. Oui, très bien. Tiens, voilà le boss. Qui force les fantômes de rentrer dans cet endroit bizarre. Hein. Et d'ailleurs, on pourra regarder nous aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il transporte dans ce tableau? D'ailleurs, on voit le casquette de Mario en fait. Donc c'est Mario. Mais Luigi, il savait même pas. Et quand on va réussir, on aura le troisième... Ah, on l'avait déjà. Ah, il nous donne des aiguilles avec. Ok. Eh bah, dis donc. Mais d'où? Comment il peut mettre dans sa poche? Ah, sa poche, il est magique, en fait. C'est impossible de mettre ta chose, des objets très grands et très lourds dans sa poche. Alors que la poche est tellement petite. C'est la première fois que j'ai vu ça, je vous dis tout de suite. Hein. Bon, on va savoir plus tard. Tout va bien, Luigi, il n'y a personne. Ok. Maintenant, on va réparer les soucis. Hein. Le aiguille et le roto. Voilà. Ah, tu peux faire avec les mains aussi. Bah, ok. Le roto. Et bah, ok. Maintenant, les amis, à quelle heure qu'il faut le mettre? En fait, je pense qu'il faut atteindre jusqu'à à cette l'heure. Hein. Non, pas du tout. C'est pas la bonne. Ok. Alors, c'est à cette l'heure, je crois. Hein. D'ailleurs, je sais pas trop lire. Hein. Non, toujours pas. C'est pas. C'est pas
4h30, je crois. Non, c'est les mêmes. 5h30, je crois. Non, toujours pas. C'est pas comme ça, je crois. Non. Ah, voilà. À 7h30. Ok, je vais me souvenir la prochaine fois. Bah non, ça sert à rien. Donc, ok les amis. C'est l'horloge qu'il faut mettre à 7h30 en fait. Et ok, c'est bon. Alors, le dernier rubis, où est-ce qu'il peut bien être? Il est juste là. Un vrai trésor. Et voilà les amis, nous avons le dernier rubis. Et on les a tous trouvés. Maintenant, il ne reste plus que gagner, c'est tout. Oh non, pas les chauves-souris. Ça m'énerve avec les chauves-souris. Ah, je pensais qu'une araignée pourrait me toucher, mais non. Ok. Voilà, nous y sommes. Ah, vous m'avez pas eu, les chauves-souris. Haha. Ok, nous y sommes, les amis. Direction la lune. Ouch, ça fait mal. C'est bon, Luigi, tu te sentiras mieux. Oh là là. Oh oh. Oh là là. Ok les amis, c'est quoi la but du jeu? C'est que l'horloge doit remettre tous ses chiffres à la place en fait. Par exemple, une heure, il y aura des fantômes et nous on doit essayer de gagner en fait contre les fantômes, de esquiver, de survivre en fait. Ok, et le numéro 1 il va apparaître. Il faut que les chiffres ils vont apparaître jusqu'à 12 heures en fait. Donc en attendant on est tranquille, hein. Il n'y a aucun danger mortel, hein. Il n'y a aucune difficulté trop dure. Sauf que s'il y a un rose, parce que ça m'énerve les roses. Ah zut. Sinon je pensais qu'il a raté et ce serait trop cool, mais non. Il a réussi. Il n'y a pas le dernier, le fantôme? Ah si, il y a le dernier. Ah oui, j'avais pas vu. On peut bouger le aiguille aussi. Mais d'ailleurs, les amis, il faut faire attention. Il faut pas que le aiguille, il va atteindre... il doit pas finir en fait, hein, parce que sinon je pense que tu pourras perdre. En fait, j'ai jamais fait ça en fait, mais ça m'inquiète, donc j'avais dit dans ma tête de surveiller le aiguille pour qu'on perde pas. Et après maintenant les amis, puisqu'on a atteint 4 heures, il y a le boss en fait. Après les amis, quand tu atteins jusqu'à 4 heures, ce sera les mêmes choses, sauf que... pardon, attendez, voilà, c'est bon. Attends, il pourra me laisser parler, hein. Et en fait, jusqu'à 4 heures, il va apparaître, en fait, hein. Enfin, les 4 chiffres, en fait. Donc, en attendant, on va passer à 5 heures, hein. Oh, ça fait peur que l'aiguille s'approche, en fait. Des moustiques, oh, ils sont pas si durs, en vrai, hein. Faut juste les éliminer avec le flash, et c'est tout. Bah ils étaient pas beaucoup en tout, hein. Oh non, pas eux. En plus ils sont 3. Oh, et la bonne nouvelle c'est que je les ai attrapés tous en même temps. Oh, je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Et je vais prendre des pièces s'il vous plaît. Ouais, on peut bouger le aiguille aussi. Ah mais vas-y, on est trop fort. On a attrapé les fantômes tout en une seconde. Et là, on est en train de réussir. Ah, j'avais oublié. À 8h, il y a Moumi, en fait, qui vient apparaître.
Ça, c'est dur. Ok. Voilà, on peut bouger le aiguille. Mais ce sera idéal pour réussir à gagner, en fait. Hein. Ah, mais non! Il fait le flash à pas le bon côté, en fait. Vite, attrape le momie. Je veux dire, retire momie. Et remet le temps à sa place. Et tu peux attraper le photon de Trokilos. C'est bon? Ok, c'est bon. Ok, il y a le boss maintenant qui va apparaître. On a presque fini, hein. On atteint bientôt le 12 maintenant, les amis. Hein. Essaie de l'attraper si t'arrives. Ok, maintenant on pourra t'attraper. Ok, il est très en colère maintenant. Le troisième photon boss. Ok, concentration. Allez. Bon, pas besoin. Il y a des moustiques. D'ailleurs, les amis, vous voyez les aiguilles à cette couleur, en fait, ils sont tellement chauds, en fait. Il faut pas les approcher et ne les pas toucher parce que sinon tu risques de te faire brûler, en fait. Mais comment ils peuvent devenir chauds comme ça, en automatique Oh, vas-y, les slimes. Oh, ça va, ils sont pas si durs, en vrai. Oh, je pensais que je vais les... Quoi? Attends, comment ça se fait qu'il y a un slime qui vient d'apparaître? Ah, j'adore le cri de cette slime. J'adore son cri. Ah, j'adore son cri, je sais pas pourquoi. Ah, attends. Ah, mais attends, mais mec, il y avait un bug. Luigi se déplace tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un bug, je comprends pas. Oh, les bombes, ils sont difficiles. À l'aide, il y a tous les bombes qui sont contre moi. Ah bah ok, on les a esquivés. Tranquillos. Ok, nous sommes à 12h maintenant, les amis. Ok. Maintenant, c'est moi contre vous tous, les photomes. Ah, ils sont tous contre moi. Attends une minute. Voilà. Ok, c'est fait. Ah, mais ils étaient pas beaucoup, en fait. Bah, c'est bien. Ils étaient pas beaucoup, hein. Maintenant, le boss, c'est moi contre toi. Essaye de m'attraper si tu peux. Ah, vas-y, il nous a fait une surprise, en fait. Ah, tu trouves ça drôle, toi? Tu trouves ça drôle, hein? Ça, c'est drôle. Ok, on a réussi, les amis. Le troisième boss avec la lune noire. Ouais. Oh, enfin, on a fini. Parce que je transpire de mort. Et je suis fatigué au plus. Ça fait presque une heure que je joue. Hein. C'est bon, on arrête cette jeu. Le vidéo, désolé. Les deux, le jeu et le vidéo. Fou. Et en plus, j'ai mal aux fesses parce que quand je m'assois... Et toi aussi, t'as mal? Ah, t'as mal aux oreilles, pardon. Ok. 3 étoiles. Merci beaucoup. Ok. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo avec Luigi Mansion 2. Hein. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si tu as bien aimé cette vidéo, tu peux partager cette vidéo n'importe quelle application pour faire plaisir. Hein.
Abonne-toi et merci de regarder. On fera ce jeu la prochaine fois, hein, avec le notre manoir. Hein. D'ailleurs, on va vous montrer tout de suite. Hein. Ouais, on a fini parce qu'on a attrapé tout le bout, en fait. Hein. Mais c'est pas fini, il y a encore des photos à capturer en tout, hein, dans cette nouvelle mission. Ouais, le croissant de lune noire, hein, il est juste là. Et voilà. Vous allez voir lequel manoir on va faire pour la prochaine vidéo, les amis. Ouais. Il est propre. Oh, cet endroit, il est ultra dangereux. Pourquoi je dis ça? Je vais vous... Pourquoi je vous dis ça? Vous allez tout voir pour la suite des vidéos, les amis. Ouais, la suite, c'est un manoir. Non, j'ai pas compris. Ok. Alors, on va vous montrer tout de suite, les amis, avant de finir la vidéo. Hein. Il s'appelle Mine des Mystères. Voilà. C'est cet niveau qu'on va faire ça plus tard. Et d'ailleurs, que je vous ai dit que c'est l'endroit le plus dangereux. Et d'ailleurs... j'aime bien le neige parce que ça fait longtemps que j'ai pas s'amuser. Bon. Bon bah voilà les amis, comme vous voyez, hein, on a tous les rubis, les émeraudes et les gemmes. Hein. Mais il reste encore le Céphanie, je crois. Je m'en rappelle pas comment il s'appelle, mais il manque encore des pierres infinités. Donc les amis, on va finir dans cette jeu, on va faire cette manoir la prochaine vidéo. Et donc, abonne-toi et merci de regarder. Hein. On fera ce jeu la prochaine fois. Hein. Donc, je vous dis merci de regarder et je vous dis see you later. Bye bye.